une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tuto. Voilà, un tuto très simple. Voilà, qui peuvent aider beaucoup de personnes. On va apprendre tout simplement aujourd'hui à graver un DVD sur macOS. Donc sur un Mac. Donc tout simplement, vous envoyez un DVD vierge, un CD vierge que vous voulez. Et puis voilà, vous allez avoir un petit logo qui va s'afficher sur le côté. Donc vous allez, je le refais, dans Finder. Et DVD sans titre, voilà. Après, en fonction de ce que vous voulez mettre, voilà, vous trouvez ce que vous voulez mettre. Clac, vous sélectionnez tout. Vous faites un glisser, déposer. Voilà, ça va être un peu long en fonction des Macs. Voilà, le temps qui réinitialise tout. Voilà, je crois que c'est tout. Vous fermez votre fenêtre, clac, clac, il y en a combien là? C'est bien ça. Après graver, vous vous donnez un titre à votre DVD. Voilà, maximum, clac, graver. Tout simplement, et votre DVD sera gravé au bout d'un petit quart d'heure, 20 minutes. Voilà, une fois que ça sera fini, je reviens vers vous. Gravure approche à la fin et ça vient de finir. Voilà, une fois que c'est fini, voilà, vous allez avoir une petite icône avec un DVD avec le titre, voilà, que vous lui avez mis, qui va apparaître, et voilà, votre DVD est gravé. Vous n'avez plus qu'à l'éjecter. Bien entendu, s'il veut. Voilà. Donc, à l'éjecter, comme je disais. Et puis, bah, noter quelque chose sur le DVD, voilà, pour souvenir qu'est-ce qu'il y a dessus. Eh ben écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, voilà, en fonction, voilà, de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et puis, bah, à la prochaine, ciao les amis. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs le nom